le 16 octobre dernier, au club de golf de Berthier, la Caisse Desjardins d'Autré a remis 20 000 $ en bourse parmi 40 étudiants dans son territoire. Nous avons la chance ce soir d'interviewer quelques récipiendaires de ces bourses, dont Annabelle Charette-Roberge, qui a reçu la bourse ambassadeur de l'ambassadeur. Bonjour Annabelle. Bonjour. Annabelle, première question, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de toi. Je m'appelle Annabelle Charette-Roberge, j'ai 17 ans, j'habite à La Valtrie. J'étudie au Cégep de Joliette, okay, en arts, lettres, communication, option langue. Tu veux devenir quoi? J'aimerais ça devenir archéologue par la suite. Donc, beaucoup d'études. Beaucoup d'études. Donc, les bourses sont toujours bienvenues, oui, quand tu as besoin de pouvoir poursuivre tes études. Oui. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu, c'est quoi le cheminement pour devenir ambassadrice jeunesse de Desjardins? C'est ça ton titre, dans le fond? Oui. C'est quoi exactement? Bien, l'an passé, j'ai gagné une bourse d'études pour le niveau secondaire. Okay. J'avais beaucoup aimé l'expérience, puis cette année, j'ai vu l'annonce pour devenir ambassadrice. Ça m'a beaucoup intéressée. Donc, j'ai tenté ma chance. Ça a marché. Ça a fonctionné. Oui. Puis, dans le fond, le but, c'était de représenter les jeunes de ma communauté, leur donner une preuve qu'on peut se rendre loin avec la persévérance, que c'est pas, peu importe les difficultés de la vie, qu'on peut toujours y arriver. Puis, okay, je voulais être la personne qui le représente. Et c'est quoi le style de candidature? C'est un formulaire que tu remplis ou c'est… Fallait que j'envoie ma photo de finissant. OK. Et que, dans le fond, que j'écrive un texte sur pourquoi que je voudrais être cette personne. Okay. Et j'ai été choisie. Puis c'était quoi tes motivations, justement, pour donner un exemple, ouais, de persévérance et de, ouais, puis, de choses comme ça? Oui, pour montrer qu'il ne faut pas lâcher, puis qu'on peut se rendre loin en poursuivant ses rêves. Qu'est-ce que ça fait maintenant, une ambassadrice? Bien, les gens me reconnaissent beaucoup. Les jeunes, oui, tu te promènes? Bien, oui, les jeunes, les adultes, le monde me demande comment ça, pourquoi je suis sur les affiches. Je leur explique, okay, puis ça leur donne une motivation. Ils aimeraient ça que leurs jeunes aussi fassent la même chose. Puis, mais concrètement, c'est quoi? Est-ce que tu as des heures comme de bénévolat que tu entends? Que tu as avec Desjardins d'assister à des réunions? De quoi? Tu me dis que tu as ta photo. Ouais. Oui, j'ai animé la soirée de remise de bourse. Ah oui, avec Mariana. Madza, c'est ça? Il fallait que je passe une entrevue. Il fallait que je donne les bourses aux jeunes. OK. Que j'anime. Il a fallu aussi que. Dans le fond, que j'ai eu quelques réunions avec la caisse. Avec la production, oui, pour faire ça. Puis c'est quoi tu as aimé le plus? Vraiment la soirée où que j'ai l'animation, oui. Ouais, c'était vraiment le fun. Puis tu as trouvé qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient très motivés. C'était quoi ton impression finale? Bien, j'ai remarqué qu'il y avait plus de jeunes que je pensais, qui ça les intéressait, qu'il y avait des gens que je pensais que ça n'aurait pas été leur genre, mais que j'ai remarqué que dans le fond, eux autres aussi, ils ne voulaient pas lâcher, puis que la plupart des gens persévèrent, puis que j'ai bien fait mon travail. C'est bien. Et ça, ton mandat se terminait ou va se terminer l'an prochain? Bien, dans le fond, je le suis jusqu'à temps que la nouvelle soit… Donc, ça va jusqu'à l'année prochaine? Oui. Okay. Et ça apporte quoi pour toi, le soutien de Desjardins comme ça? Qu'est-ce que ça… personnellement, es-tu contente? C'est quoi que… Oui, bien, j'ai reçu ma bourse, moi aussi, de 200 $ pour avoir fait ça. Dans le fond, bien, ça reste pas mal la même chose qu'avant, mais j'ai leur soutien, puis… Est-ce que c'est ça, là? Oui. Ils t'apportent beaucoup de connaissances, beaucoup de choses, beaucoup d'informations financières, j'imagine. Oui, des nouvelles expériences aussi, puis… Puis, Madame Mariana, comment t'as trouvé ça comme personne? Au début, je suis un peu gênée, mais elle nous met tout de suite mal à l'aise. À l'aise? À l'aise. OK. Et elle est vraiment le fun, elle est drôle. Ah, ben, elle m'encourageait tout au long pour que je déstresse. Puis ah, ben c'est bien. Ça a bien été. Donc, on te félicite très pour ta Merci bourse. Beaucoup. On espère que tu vas peut-être pouvoir encore te représenter. Oui. Tu as l'expérience. Je pense qu'il y a des bourses pour au niveau collégial et au niveau universitaire. Je pense que cette année, même, il y a eu une grosse bourse de 10 000 $ là, qui a été donnée par la Fondation Desjardins. Qu'on va espérer que tu continues, tu persévères, que tu sois un bel exemple de persévérance pour les jeunes. Puis, en te souhaitant bonne chance pour les Merci prochaines beaucoup. Années. Je te remercie de ta présence. Merci. Merci.